se passe pas grand chose hein, dans mes chansons quand même. Là, c'est pas rempli d'histoires comme dans les chansons de Renaud, vous voyez, il n'y a pas une masse de trucs, il n'y a pas grand chose. Il y a des petites choses qui se passent. Mais il n'y a quand même pas grand chose. Il n'y a pas rien, il n'y a pas rien. Mais dans la suivante, là, il n'y a rien. Là, il faut que je reconnaisse qu'il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas toujours quelque chose. Il arrive parfois que je me dise, allez, bon, écrire une chanson, mais ouais, mais t'es marrant, toi. Qu'est-ce que je fais? J'ouvre la fenêtre pour voir un petit peu s'il n'y a pas à l'extérieur quelque chose qui se passerait. C'est intéressant. Rien. Alors je me dis, bon, je vais inventer. Par quoi je commence? Pareil. Allez, la météo. Ouais. Ça, c'est sûr que quand on commence par le ciel était nuageux ce jour-là, il pleuvait des cordes, ou le vent poussait sa chanson lugubre entre les immeubles. Bon, ça peut aider pas mal d'auteurs. Hein. Mais là, il y avait rien au niveau météo de particulièrement remarquable. C'était pas chaud, on pourrait dire la chaleur accablante, c'est d'ailleurs par ça que j'ai commencé le concert. On pourrait dire ça, mais non. On pourrait dire quand t'es dans le désert, par exemple, il y en a qui l'ont fait. Mais ce jour-là, il n'y avait rien, il n'y avait pas particulièrement de. Il faisait ni beau, ni pas beau, ni pluie, ni rien du tout. Je me suis dit, bon, bah, je vais rester un peu, je vais allumer une cigarette. J'ai quand même pas fait une chanson sur le fait que j'avais une cigarette. Ça signifierait vraiment la fin de ma carrière. Les gens vont se rendre compte qu'il n'y a plus rien dans la caboche, quoi. Rien dans le sac, comme on dit. Donc je vais me forcer un petit peu. Puis là, je vois quelqu'un au loin. Mais je ne distingue pas trop, c'est une silhouette. Bon, je dis, allez, c'est bon, je fais la chanson là-dessus. C'est ce que j'ai fait. C'est vrai qu'il ne se passe pas grand-chose, mais j'ai un peu triché, j'ai rajouté quand même des éléments météo, et dure 7 minutes. C'est quand même étonnant. Je vais la chanter, mais alors je vais vous dire ce qui s'est passé ce matin, parce que j'ai sur le cœur, il faut que j'en parle. Il y a une personne, chère à mon cœur, qui m'a offert une guitare qui date de 1949, pour ceux qui aiment les guitares, une guitare Martin, faite aux États-Unis, qui est très belle, avec laquelle je devais jouer ce soir. Mais ce matin, quand je suis parti de chez moi, j'ai pris l'étui sur mon épaule, et puis j'ai entendu un grand bruit, je me suis retourné, c'était la guitare qui était tombée de l'étui, parce que je n'avais pas fermé l'étui. Il était 7h30 du matin, le musicien ne se lève pas à cette heure-là d'habitude. Et c'est cassé, elle a explosé au sol. Si bien que j'ai pris celle-là, pourquoi je vous dis ça? Ah oui, je vous dis ça parce que j'ai immédiatement pensé à quelqu'un, je me dis, le facétieux, le génial et facétieux, qui nous a fait tant de bien et peur, et en même temps, qui nous a maintenus dans un éveil constant, c'est Jean-Louis Murat. Ouais. Et il a cassé sa pipe, et je me suis dit que c'était lui qui m'avait fait le coup. Mais comme ça, pour rigoler, quoi. Ça m'a touché. C'est pas de bonne nouvelle. Hein. Mais enfin, heureusement, on continue d'écrire des chansons, et même quand il se passe rien. Je vais vous en donner la preuve immédiatement. J'ai dit que j'avais triché. Sous une pluie, une folle. Ça, c'est un petit système, quand on n'a pas grand-chose, on le répète. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Une folle.
de boueuse flac, flac. Entre deux boueuses flac, flac. Un silhouette slalom. Un silhouette slalom. Entre deux boueuses flac, flac. Ha ha ha.